Sincèrement, c'est insensé ce que vous me demandez. Je peux pas du tout. Je risque mon job, quoi. Mais vous risquez rien du tout. Vous risquez rien, même si on le découvre, vous direz que c'est une fausse signature, puis c'est tout. Il sait ce qu'on risque ou pas? Oui. Non, c'est trop dangereux, quoi. Je peux pas vous aider. Je suis désolé, c'est ni pour l'ambulance, ni pour le formulaire. Mais tout ce qu'on veut, c'est le formulaire, ouais. Avec le putain de tampon, l'adresse de l'hôpital, tout, et la signature, le tout type. Son père, il est innocent! T'as toujours ton père, toi? Alors si on le met dans un asile, tu feras quoi? Christmas comes. The perfect time for miracles. Hello, Mr. Bates. I'm Kelly, your new housekeeper. How should I call you? Call me Mr. Bates. Edgar was looking for inspiration, but he finally found... Quand tu veux, y... Rocco. Qu'est-ce que je t'avais dit, putain? Mais qu'est-ce que je t'avais dit? C'est un peu plus fort, je pense, non? Qu'est-ce que je t'avais dit, putain? Mot pour mot! Te mêle pas de ces histoires! Tu m'as foutu dans une sacrée merde, Erwan. Tu comprends ça? Qu'est-ce que je veux dire maintenant pour le combat de boxe, moi? Hein? Dis-moi, toi, la science infuse. Qu'est-ce que je veux dire maintenant aux organisateurs? Que mon boxeur, ceci, cela, il a joué aux euros pour un tapin qu'il a connu même pas il y a 4 ans, l'histoire. Qu'est-ce que tu t'es mis dans cette merde, là? T'es un con, Erwan. Je pensais franchement que t'étais intelligent, mais franchement, non, t'es un con. Donc à partir de maintenant, je veux plus te voir ici. Tu prends tes affaires et tu te casses. Ça, tu vas comprendre, ça. Tu te casses. Je veux plus te voir. C'est terminé. On jette l'éponge, là, frérot. Pas le genre à répéter deux fois les mêmes choses. Fous le camp, s'il te plaît.
mort. Excellent.